Situation a toujours été compliquée par boy site dans pays a bandi continue à faire sans couler. Je dis en là l'obeil pété dans kafou fey. Nèg exam qui dans machine, eh ben yo pété balle sous moun. Deux policiers perdu la vie, deux policiers mouri sous place. Eh ben c'est nèg exam qui était dans machine, yo ouvert porte machine là, camper machine là, ouvert porte là, descend bien à l'aise. Yo ouvert balle sous moun qui était campé, gen deux policiers selon information, yo deux policiers étaient sous moto, nèg yo ouvert balle sous policier tout. Tous les deux policiers yo mouri. Tous les deux policiers ben ansan yo mouri sous place. Nan gade image yo la et image ça trop choquant, pa ka montre image ça là, mais montez sur groupe Telegram Journal 9 lan, cliquez sur les clans, ou wè photo ça, ou jwenn image yo ki jan policier même y a ben ansan yo, mais c'est nèg exam nan kafou fey ki te non machine et puis y a passé yo ouvert coup de balle. Policier était sous moto, ouvert balle sous policier yo, policier mouri sous place. Selon information qui a circulé, gen plusieurs autres moun qui prend balle tout, mais qui blessé, yo couri à l'hôpital avec yo. Nous pas reconnaître si moun sa ou même, yo pa pral mouri l'hôpital tout parce que gen moun gonti les pèk te prend balle, monsieur était grave en pile. Yo gen ta couri l'hôpital avec lui. Nous pas connaître si docteur, si médecin yo a gen ta sauvé la ville ou bien s'il pa prend dernier souffle dans l'hôpital là. Amen. C'est gros frustration, c'est gros frustration au niveau de policiers yo, de quelques policiers qui ont même estimé que la police là, qui estimé que bandi yo même yo trop à l'aise dans ville là. Faut qu'on meilleur quadrillage, faut qu'on meilleur ceinture de sécurité, faut qu'on meilleur déploiement qui fait au niveau de capitale là, au niveau de centre-ville là, parce que bandi yo même yo trop à l'aise. En pile policier frustré pour jeune exam yo même yo à l'aise pour opérer dans ville là, yo à l'aise pour circuler, yo à l'aise pour faire sang couler, yo à l'aise pour tuer policier. Pareil la difficile, li triste, le regarder qui gens deux policiers qui quitte famille, qui des caillou, qui des madame petite qui pensait après retourner, hein, qui pensait après retourner dans l'après-midi. Et puis nouvelle qui vient joindre yo, c'est photo policier sa yo qui a bien ensemble, image policier sa yo qui a bien ensemble là. C'est vraiment toujours très critique envers policier yo, parfois gen ti monsieur pas droite, parfois gen nan qui a peine la gue, mais travail policier pas facile. Faut nous admettre ça. Non pays chargé gang comme ça, non pays chargé bandi comme ça, regardez chargé moun nan la ria moun sou moun nan la ria. Hein, mal gwen a volé ou pa konn mal ou pa konn femelle. Lò lè polisye a kanpe nan l'aria, lè sou moto, lè kanpe bon l'aria nan point fixe. Gade, moun a passé sou moto nan machin, ou pa konn sak bandi sak pa bandi. Azi, son métier a risque. Bon, c'est vrai depuis avant nèg la rentre nan police là, li kèt konnè son métier ki risqué en pile, li kèt konnè eh ben à n'importe qui moment le ka victime parce que Jean bandi. Gade, de di nou sa deja. Bandi c'est pousser ça, pousser tant que John dans pays. La grave là. Pendant ou a vinn plus bandi dans pays, pas gon travail qui fait non seulement pour augmenter de manière considérable effectif la police là, et à côté de augmentation effectif la police là, gagné bon, on ka toujours dit monsieur, yo cité non dans bay gang tout, mais monsieur t'a fait une belle proposition, sénateur Louis Latortue. Monsieur t'a proposé que pour te créer une entité et une entité anti-gang, ok, dans la police, en unité anti-gang dans la police, son groupe de policiers, ils ont formé même pour bataille contre le phénomène banditisme qui est dans le pays, le phénomène gang qui est dans le pays, là, ok. Donc là, Ariel Henry, en tant que premier ministre, monsieur depuis l'aile prend pouvoir, monsieur pas résoudre aucun problème. Problème, il vient plus. Problème yo vinn pi mal, yo vinn pi compliqué. La vie vinn pi chè. Vinn gen plus insécurité. Bandi continue à paweze pi red. Ariel Henry, tant pour monsieur ta vinn a réponse à problème. C'est plus problème qui gen dans pays là. Donc insécurité a continue à brasser bil moun, insécurité a moun continue à perdre la vie dans n'importe qui condition. Lò gade jan moun sa yo même, yo mouri dans kafou fey, deux policiers mouri et plusieurs autres moun sorti blessés en babal nèg exam. Yo di ki kidnappé deux moun do ki ale avec yo pendant action si la. Fanatique Joe Canel, Journal 9, et selon information krive jwenn nan sal nouvel Journal 9, jodi an la, en pile coup de balle chanté
dans cité soleil, c'est en bataille qui éclatait encore parce que bataille ça était là déjà entre G9 avec GPEP. Nous connaissons depuis la mort de Gabriel là, depuis la mort et PA, dès le constat tout, ben bayo te font petit camper. Mais là tout d'un coup, ben guerre a rééclaté encore entre GPEP avec G9, un pile coup de balle a chanté et t'a gagné des soldats qui tombaient dans tous deux camps. OK? T'as assemblé là des soldats qui tombaient dans tous deux camps. Que dans camp G9, que dans camp GPEP, t'a gagné soldats qui tombaient qui fait voile pour pays sans chapeau. Fanatique Joe Canel, Journal 9, situation lui-même, il est compliqué et il est difficile. Dossier là c'est sérieux. Dossier pasteur Amel Lafleur pour qu'on fini. Ah ben je dis là je t'allais dans parquet. L'ital répond question commissaire gouvernement. En pile monde saisi Jean pasteur Amel débarqué avec une quantité policiers à elle. Une quantité policiers différentes unités débarqué à monsieur à balle sécurité pour aller répondre question commissaire gouvernement. Et après tout, après plusieurs heures d'audition, ben monsieur retourné dans la machine, policier, plusieurs policiers à balle sécurité, ok, et selon information que vient de nous, ben c'est correctionnel, ok, monsieur pral gagner pour aller devant correctionnel, juge correctionnel qui pral gagner pour bah, monsieur sentence, pas oublier, commissaire gouvernement pas qu'à juger, c'est un juge qui a jugé, donc vous voyez monsieur devant, juge correctionnel qui pral gagner pour bah, monsieur sentence, li. OK, c'est devant correctionnel dans 3 jours encore en suivre qui Jean Satéy et n'attendez commissaire gouvernement tout qui t'a bail plus précision sur dossier ça. Mise à sa charge. Et pour l'instant, Lucien Roger Denis est en train de rédiger la citation qui sera donc signifiée tant à ses avocats qu'au révérend Pasteur Amel pour qu'il puisse répondre de ses faits et dans 3 jours francs, égal à 5 jours ordinaires. Voilà, merci messieurs, les journalistes de la presse en ligne qui étaient venus couvrir cet événement. L'audition, tout s'était bien passé, et dans la plus grande sérénité, et humblement, parce que j'ai répondu à une question. Et nous-mêmes, nous dit encore, le période flagrant s'était passé, nous pas capables qu'il y ait dans l'État, et donc maintenant nous renvoyer purement et simplement de la CAILI, et que dans 3 jours, on dit 3 jours francs, il pourra répondre de ses faits. Merci beaucoup. Sanction l'église là sont sanctions administratives et disciplinaires. Moi, non pas qu'elle n'a organe de poursuite. Et que maintenant, il revient, pas vrai, à avocat pour qu'on s'en fait, s'il y a fait un recours gracieux par devant le directeur général, ou s'il y a fait l'autre action. Mais quant à nous autres au parquet, nous prévenus, nous dit que parce qu'il a prévenu devant le tribunal correctionnel, et la répondre de faire reprocher dans 3 jours francs. Et c'est pas ça qu'il s'est payé. Il n'est pas capable parce qu'on mesure l'intention qui prend contre lui, à moins que maintenant, il est capable de lever. Mais il faut dire que cette mesure a été prise et dans le délai de la flagrance. Et c'est pas tout après 3 jours. Mais le tribunal saura quoi faire.
Merci beaucoup. Voilà, c'est comme ça, Saté, non pas que Port-au-Prince, nous sommes des déclarations avec le commissaire gouvernement Jacques Lafontaine qui va les détails. Avec monsieur lui-même, le devant correctionnel, c'est juge là qui va gagner pour décider. C'est juge là qui va gagner pour bailler Amel parce que Amel sentence li. Donc on est ministère des cultes qui est en bas, mission premier sanction déjà, côté lui interdit monsieur participer dans toute activité de l'église pastorale ministérielle pour 5 ans. Ok, nous avons fait 5 ans qu'on est loin de l'église pour ne pas participer dans un, à cause de l'action d'apposer, pudeur, à tête à la pudeur. Donc là, c'est sanction ministère des cultes de même Bali, qu'on a son juge dans quelques jours encore, on dit dans 5 jours au total, 3 jours France, 5 jours au total. C'est un juge qui va aller pour bailler monsieur, on l'autre sentence encore. Fanatic Joe Canel, journal 9. Gon guerre qui éclate là, entre Fednel mon chéri. Avec Pierre Espérance, ok, on guerre qui éclate. On fait d'elle mon chéri avec Pierre Espérance dans guerre ça, quand il y a monde mourir la donne, ok, quand il y a monde mourir la donne. Fait d'elle mon chéri chaque fois elle parle, elle pas décidé, bah vague, faut qu'il attaque Pierre Espérance. Oublie Pierre Espérance, c'est une avec RNDH, c'est une organisation qui fait rapport, qui te met non fait d'elle mon chéri dans liste comme monde parmi monde qui te fait massacre la Saline. Et après ça, Américains t'as vu sanctionner fait d'elle mon chéri, mettez sur liste noire. Ah ben fait d'elle pas jamais pardonné. Et Pierre Espérance pour bagay ça, il dit Pierre Espérance tout dans question protéger gang, Pierre Espérance tout dans question financer gang, mais protéger gang, alimenter gang, dans kidnapping. Mais je parti à bord Pierre Espérance jodi a qui il dit qu'il a marron en de Fidel mon chéri. Nécessité pour un deuxième dans moins que 8 jours. Pour qui ça? Tout d'abord, on connaît que Pierre Espérance fait connaît que pas dans pays hein. Mais il y a un criminel qui était recensé, qui était récupéré. Le criminel a dit que même si le boss n'a pas souterré, mais l'équipe là, là. C'est qui ça lui. Vendredi, il a fait conférence. Il y a un certain de Grégory Libérus qui est membre grand 4x4. Il n'est pas qu'il devenait point ça là. Et puis il a filmé tout le monde qui a sorti dans la conférence là. La filmé machine, la filmé. Le Grégory Libérus, et puis il te prend prétexte que tu es en République Dominicaine. Par contre, il est entré pour conférence, non? Mais il fait action ça devant vendredi. Nouveau message ça, bye CSPJ, DCPJ, qui a une responsabilité dans le dossier ça. Parce que, à niveau dossier ça va avancer là, Pierre Espérance rend compte que je n'ai pas une porte de sortie. Là, j'ai tout pour l'attaque. Pour qu'a augmenter panthéon crime. Donc et dans ce sens ça je dis à la un nous dénoncer action Grégory Libérus qui fait qui c'est un ancien déporté qui filmait tout le monde qui a sorti dans la conférence là et puis machine qui était devant la première action qu'il fait. Deuxième bagarre à dénoncer Pierre Espérance qui était payé là en pile monde dit monsieur a renforcé tête lui. La chercher l'argent, la mettre diable sous lit, la derrière force pour le retourner sous béton en catastrophe. Donc, nous disons que Jean Vignan, c'est comme ça, nous après ce voile. Donc, monsieur qui te paye parce que DCPJ dans visiel, DCPJ sous ligne, ils font contourner DCPJ. Li quitte pays. Donc, et dans ce sens, comme il dit, et force la chercher, et l'argent la chercher. Donc, qui complot, monsieur fait? La marque. D'abord, monsieur retire toute caméra, depuis, on a vu ça longtemps, il y a la caille. Il y a un plan pour le faire tirer sur le local, bouler le local, pour créer une sorte de panique, pour le montrer blanc, il est en situation difficile. Et par la suite, monsieur connaît que un ensemble de dossiers qui ont rapport avec procès n'a fait contre lui. Il y a un plan pour le faire entre 1h, entre minuit et 2h du matin, puis au cambrioler le local ça là. Puis au cambrioler le local Rosemont Jean. Et puis au fait cadavre tout. Et puis le ça, cadavre ça yo, l'a mettez yo sous dos nous et pour dire c'est moun PHTK yo touyé pour dire c'est lui touyé. Donc et heureusement, cette intelligence nous puissant, nous avons des informations à temps. Même gens,
nous avons gagné information côté que il a fait embuscade sur nous dans Delma 40B. Donc c'est plan ça rien. Vin cambrioler le local ça, fermer tes dix feux et puis comme il pas dans pays hein, derrière dos c'est dans Guinée parce que il pas là, pas un monde qui ca charger. Il n'a pas 10 pieds expérience. Même si tu as tué un ravette dans le local là. On souri que tu as mouru dans le local là, tout ça a tombé sous responsabilité. Parce que les gens qui disent ça, la prêt pour témoigner les actions que ça fait. Et là, monsieur, il y a un problème. Non. Parce que toute action malhonnête, monsieur, fait, toujours bon gens pour nous connaître. Ok? Donc, ce n'est pas nous-mêmes qui avons fait le massacre d'Elma 32. Ce n'est pas nous qui dénoncer, nous disons ça encore. C'est quatre personnes qui la caille, monsieur, plus quatre autres personnes qui ont arrêté, qui n'en met des CPJ, plus ou moins, pour nous dire plus, qui n'en met la police. Il y a quatre personnes qui sont en prison, il y a trois, il y a quatre autres qui témoignent, qui prennent maintenant pour témoigner par devant tribunal. Donc ce n'est pas nous-mêmes qui fait ça. Ce n'est pas nous d'accord pour faire crime, ou tu choisis de faire crime, ou choisis faire dossier, ou choisis faire rapport, faut assumer responsabilité. Donc, et dans ce sens, nous-mêmes, je dis à la, nous disons qu'il y a expérience, petit complot pour mettre des armes, pour mettre des drogues, pour mettre un ensemble de bagailles, tirer sur le local, ça ou pas kembe. Ça qui est plus important pour nous, c'est venir par devant la justice pour le plaider, pour l'accuser nous, si nous-mêmes, nous coupables de ça. Vendredi encore. Gagne une réunion qui fait nan DCPJ. Qui s'allie, c'est une organisation internationale qui compte financer Pierre Espérance. Organisation à relais, c'est OIHRSW. OIHRSW. Ça, c'est non, non. C'est un organisation droit monde. OIH, c'est organisation internationale. Reste à me pas songer. Ok? Li basé au Texas. Li créé en 1988. Il est toujours avec Père Espérance, il n'y a pas jamais tant de type. Il est entré maintenant pour connaître qui s'est gagné dans le dossier type Espérance. Donc, DCPJ fait de voile, il bat le dossier. Ça, quand même, dit que responsable organisation OIHRSW, ce n'est pas seulement nous avons dit ça déjà dans le DCPJ pour aller, il faut aller dans la prison, il faut aller dans le tribunal, pour lire le dossier et puis parler à monde qui dénonce Père Espérance. Nous allons écrire organisation ça. Et voyez Bali, document à l'appui, nous parlons de FIDATU, Fédération Internationale Droit Moun, pour nous faire connaître que monsieur Sacré les Pères Espérance, mais activité malhonnête l'a fait avec l'argent que vous Bali pour le faire, ça gagne à revoir avec activité Droit Moun. Au lieu d'utiliser comme ça pour faire le droit, pour faire bagaille qui bon, et comme ça, on le prend. L'a installé gang dans quatre coins pays et qui conduit à un ensemble de dérives et je viens vous dire là dans tête pas il pense que c'est nous même qui a persécuté mais mes amis si directeur monsieur Lecomte qui c'est responsable des CPJ pour commettre rapport ça d'ailleurs de c'est l'autre bagaille à chercher toujours et il y a tout indice toute information probant que Pierre Espérance n'a alimenté gang n'a fait kidnapping et qui conduit à la mort de journalistes. Dernier rapport, pour me sur journalistes pendant l'année 2022, il y a une dizaine qui mourit. Maintenant, dizaine dans Pierre Espérance, il y a deux là-dedans. Deux dixièmes, mesdames et messieurs, Pierre Espérance. Donc, un cinquième de monde qui mourit, il y a sous compte Pierre Espérance. Donc, il y a deux dixièmes dans ce monde qui mourit, dans 10 journalistes, il y a victimes de Pierre Espérance. Et nous-mêmes, ça nous dit là, et ça nous dit Pierre Espérance. Vous avez bien fait, si je veux être coquin, si vous sentez que je dis un bagage qui passe ça, voyez-moi d'abord moi, so même à la justice avec moi, m'a vina avec document pam, ou vina à document pam parce que c'est pire belle. On va passer au fil agent et comme commissaire gouvernement, comme juge. Ouais, ça va pas qu'embé encore après 20 ans. Masse la levée, population, la justice, la police que détruit presque. Yo ouais en bas. Donc celle sont rien pour faire, c'est pour tête tout fini. Et puis gros bagarre. Voilà, ça sont l'autre guerre encore, ça sont guerre Fednel mon chéri Pierre Espérance. Côté ça a privé j'en dis, bagarre ça guerre l'ambola de nuit en tout cas. Nous même dans journal 9 micro là caméra là, n'a suivre qui j'en bagarre eux même
y a déroulé et au même fanatique Joe Canal Journal 9 ou une formule là. Déjà si vous pouvez abonner à la chaîne ça prend quelques secondes pour faire ça, cliquez sur subscribe et puis cliquez sur petit cloche pour toujours recevoir notification chaque fois nous partager une nouvelle vidéo avec vous sur page ça. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter, suivez-nous sur www.journal9.tv et toujours vider bagaille neuf pour nous dans Cash App, Zelle, PayPal pour encourager bel travail information sans camper Journal 9 à faire dans tout pays. N'a pas camper là avec vidéo aussi là.